Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours même plaisir là pour me présenter devant nous après-midi. Après-midi a son moment spécial puisque n'a inauguré une nouvelle émission dans Radio Télé Phare Divin. Tout d'abord, nous voulons remercier bon Dieu du fait que lui permette que famille a grandi. Nous parlons d'un nouveau présentateur avec une nouvelle émission. Nous voulons ensuite remercier le présentateur. C'est qui est-ce? C'est notre bien-aimé ancien Martin Lionel Lubin. C'est lui-même qui pourrait le gagner, qui pourrait le présenter nous, cette nouvelle émission. Tout d'abord, nous voulons remercier lui du fait que lui mettait talent. Il mettait tant li à disposition communauté ecclésiale là, à ou même qui peut suivre émission ça, à ou même qui peut partager en l'autre monde qui peut le content à émission ça. Émission ça non lycée, la Bible dit, c'est une série d'études approfondies. Des doctrines de base. C'est une étude biblique. Mais, je vais demander deux bagages que vous pouvez faire. Tout d'abord, nous demandons, nous voulons demander pour capable partager. Partager l'émission, ça, le programme ça à l'autre monde, à l'autre monde. Partager à un monde qui connaît que qui est confus, qui est gagné. Problème à comprendre certains détails dans certains sujets de doctrine et doctrine de base. Nous sommes capables de partager à Mounsa. Deuxièmement, nous sommes capables de prendre un caillou pour prendre une plume, pour prendre un crayon, et pour prendre une note, et nous connaissons qu'on prend une note. Ces deux bagages sont demandés afin que pendant ces 16 études que qui pral gagner sont série de 16 études et nous croyons que ou satisfait de présentation. Mais nous voulons dire qui est un présentateur ça y est. Martin Lionel Lubin est économiste et licencié en administration de l'Université d'État d'Haïti. Membre de l'Église adventiste du septième jour dès l'année 1969. Il se révèle un fervent étudiant du livre sacré et un chercheur assidu. Ses recherches s'orientent particulièrement vers l'étude des prophéties bibliques et les écrits de l'apôtre Paul. Il a développé un intérêt et un goût particulier pour les thèmes liés aux activités évangéliques, à la prédication et au leadership chrétien. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il anime, dès les années 1980, des séminaires de formation au bénéfice de sa communauté ecclésiale.
temple adventiste numéro 1 de Port-au-Prince, auquel il demeure fortement attaché et où il remplit la fonction d'ancien depuis janvier 1981. Il codifie ses expériences et ses recherches dans un opuscule paru en 1998 sous le titre « Technique d'évangélisation ». L'accueil enthousiaste qui en est fait tant en Haïti, aux États-Unis qu'au Canada, lui a suggéré en 2021 la parution d'un nouvel ouvrage « Comment évangéliser et l'art de prêcher ». Après sept, en 2018, un essai titré « Éléments d'homilétique ». Il jouit de sa retraite depuis 2016 et continue toutefois à se consacrer au service de l'Église et de sa communauté. Les consacrer, les continuer, et plusieurs églises, plusieurs communautés ont fait appel à lui-même. Et c'est un grand plaisir pour nous-mêmes que ancien Martin Lionel Lubin mettait tant lié à la disposition de Radio Téléphone Divin, à la disposition de vous-même tout, qui peut suivre l'émission ça. Déjà, moi déclaré ouvert, c'est une série d'études approfondies qui peuvent baser, qui des doctrines de base. Et nous souhaitons tout déjà bonne audition à toute étude ça, à toute étude que vous pouvez suivre chaque samedi après-midi. Pas oublier, chaque samedi après-midi, vous avez rendez-vous avec ancien Lionel Lubin pour présentation émission ça. Jodi a, n'a commencé avec sujet 1. Les mêmes l'a dit nous, li pral di nous qui sujet et li pral di nous comment li pral présenter émission et émission ça nan sur nos plateformes. Nous connaît que déjà ou même qui t'es branché ou même qui t'es suivre nous sur Facebook, follow nous même qui déjà souscrire sur chaîne YouTube, deux chaînes YouTube que nous gagnons, nous mandou capable encore une fois partagez à l'autre monde. Partagez-le afin que connaissance la capable distribuer, connaissance la capable aller loin de ça que jodia ou pral et chaque samedi après-midi ou pral apprendre. Encore une fois, moi dis nous, prends cahier nous, prends plume nous parce que nous pral prendre note. Que bon Dieu capable bénir nous. Chers amis, bonsoir, bonjour, selon l'heure dans l'émission. Faut plaisir pour moi saluer nous dans la première séance, ça, série d'études bibliques, ça, Radio Téléphone Divin, inaugurée après-midi. Hein? Une série qui placée sur le thème La Bible dit. La Bible dit. Nous comptons saluer nous toutes. Et moi prends occasion dans première séance ça pour me dire nous que les nous dit étude biblique ou étude biblique ça le dit nous définit ou étude biblique c'est pas nous mêmes définir d'abord comme l'étude des saintes écritures sous forme de questions et de réponses. Ça veut dire ou étude biblique c'est pour prédication ou étude biblique c'est pas au sermon. Ça veut dire que l'homme a fait une étude ou bien a étudié,
élève là, il y a un bagage faut le noter. C'est ça que fait le premier conseil, ma bonne nous, à soir, jeudi, même qui là. Mais conseille nous pour nous gagner un petit carnet de notes avec une plume. Chaque fois, nous avons suivi ce séance à l'heure. Ça. Pour qui ça? Pour nous noter petit sujet et pour nous lister tout verset. Très important. Ça permet que après, la caillou ou ka repasse, parce que si vous ne faites pas ça, vous oubliez tout ça que dit. Et puis, si vous avez yo moun ki pat la nan étude la ou zanmi ou ta vle repasse yo avec li ou sa se bon support support pour ou d'abord et support sou vle partager avec l'autre moun. C'est très important. Donc m konprann que nou ka pat konnen ça jodi a men ap fè pou prochaine séance yo pou nou gen el et n'ap wè la pè très profitable pou nou. Deuxième bail m'a dit c'est que le nous fin temps de étude n'a pas posé question. N'a pas posé question mais question nous pas poser directement live. N'a posé question par écrit et coordonnateur frère Garabriza dit nous comment pour nous faire joindre question yo et la transmettre mes question yo. M'a préparé réponse là et dans prochaine étude là avant de commencer m'a répondre une question qui t'est posée aussi simple que ça. L'a poser question, ou identifier ou dit non d'abord. Aussi simple mais fort question sous sujet qui étudié. Nous pas prendre question sur toute bagage de la Bible parce que ou ka gon question ou l'autre question l'absolu sujet que nous avons traité plus devant, nous pas répondre ni si ce n'est pas le pas sujet. Troisième conseil, pour nous réguliers, étude de la chaîne liée, ce n'est pas jeudi à ou tendre au sujet et puis ça vient après ou pas suivre. Li. Parce que nous voulons adresser la doctrine biblique de base, surtout ça qui est de base, mais nous voulons que nous profiter de yo pour non pas you le ou venir you le ou là ou le ou pas là. Donc sujet nous et après-midi avant nous considérer en baisser tête nous pour nous faire un coup de prière. Nous te bénissons notre Dieu notre Père pour le privilège que tu nous donnes d'être à tes pieds pour étudier ta parole. Alors que nous y sommes, nous te demandons d'ouvrir notre intelligence et l'intelligence de tous ceux-là qui vont participer à ce programme. Que ce programme soit une bénédiction pour nous tous. Nous te prions ainsi au nom de Jésus qui vient qui est au siècle des siècles. Amen. Sujet nous après-midi, premier, c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu. Mais nous t'avons aimé dire au bagaille. Nous t'avons aimé dire la loi, c'est lui-même qui règle toute bagaille de société, comme nous l'avons dit là. Régulateur de la vie de l'homme de la société. L'univers entier est régi par des lois. Des lois naturelles. La terre a tourné sur lui-même pendant 24 heures. L'a tourné autour du soleil pendant 365 jours. Les planètes ont tourné dans l'orbite selon des règles, selon des normes. Si ou le règle ça a tombé, mais c'est la catastrophe. Ça veut dire le la Terre là t'a présenté face le soleil là et puis il t'a quand il bloqué et mais on t'a gain un éternel soleil ou bien si c'est la nuit, il y a telle nuit, nous avons une catastrophe à faire. On a une végétation. Parce qu'il faut du soleil. Si la planète qui a gravité dans l'orbite, il y a une casse pour lancer dans l'univers. C'est une catastrophe. Collision qui a fait. Donc ça montre que dans l'univers, des lois existaient
et loi soit permanent. Livre pour pays tout. Imaginez un pays qui pas gen loi. Et citoyen yo pas konn devoir yo un envers l'autre. Yo pas konn devoir yo envers l'état. Et pas grand côté qui définit devoir l'état et responsabilité le pays citoyen yo pays gen loi. Il y a la constitution qui est la loi mère mais d'autres lois. La loi importante. La loi importante tout pour la circulation automobile comme nous le disons là. Imaginons un pays que le chauffeur prend machine nous et puis ou pas gon ken règle pour suivre. Ou un piéton yo tap livré et ça ça yo même, pas vrai? Pas gen le pas gen sens unique, pas gen le pour camper. Nous connaissons ça sur aux États-Unis. Gende le machine ou pas ka camper dans telle zone. Gende le yap nettoyer. Gende le les bus là, c'est pour le bus lié ou pas ka entrer là-dedans. Donc on bonne règle. Et si que moun pa ta choisi pour ta suivre yo, c'est la catastrophe. Une institution tout, yon entreprise. Yon le règlement interne. Qui dit, mais responsabilité employeur, la institution vis-à-vis d'employé yo, et vice versa. Donc, on t'a même dit que si l'homme lui-même, il comprend et il admet que toute bagaille dirigée par des lois, faut des lois. Et n'a pas comprendre que l'homme bac a plus sale que bon Dieu. Dieu a aussi une loi de la Bible. Mais ça t'a même dit que la loi de Dieu de la Bible, il y a différentes formes, il y a différentes catégories, ou même capable de dire une typologie des lois. Ça m'a nous bien saisi ça. N'a même dit d'abord ce que nous pouvons appeler la Torah. Étymologiquement, de hébreu, Torah signifie instruction. Et du grec, nomos qui signifie norme. Mais dit, par contre, dans la Bible, ça que mon Torah écrit. Mais loi, Torah, li représenté par une série de terminologies que nous jouons dans la Bible. La loi de Moïse, le livre de la loi, le livre de la loi de Moïse, le livre de la loi de Dieu, tout identifié, même réalité. N'a pas gardé dans le livre Néhémie 8, verset 1 à 8, il y a différentes appellations, nous, que la Bible décrit, même loi ça. Et nous prenons le extrêmement important que nous allons. Dans Hébreu 8, verset 1 à 8, mais ça vient faire premier à dire. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse. Vous voyez ça? Le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Le verset 2. Et le sacrificateur Esdras apportait la loi. Les bien, oui, t'as l'air le livre de la loi de Moïse. Dans le verset 2, il apportait la loi devant l'Assemblée. La loi composée devant l'Assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre, c'était le premier jour du septième mois. En avancé, Esdras lit dans le livre, peut-être pas été écrit dans un livre, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et de ceux qui étaient capables de l'entendre, tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Vous avez la relation? À noter de la loi de Moïse, du livre de la loi. Toujours même réalité. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. On va continuer. Josué, Bani, Sherebia, Jamin, Akoub, Shabetaï, Machelia, Kelita, Azaria,
Josabab, Anan, Pélagia et les Lévites expliquèrent la loi au peuple. Souliers, la loi, le livre de la loi, mémorialité. Et chacun restait à sa place. Et le verset 8, enfin, il disait distinctement, il lisait indistinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc comprenez. Même texte là, Néhémie, hein? Même loi, tantôt la loi, tantôt la loi de Moïse, tantôt le livre de la loi, tantôt le livre de la loi de Dieu, c'est la même réalité. Et c'est ça, nous est plus loin dans 1 roi 2, verset 3, ou précision ça, vous dites extrêmement important. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Ce qui est écrit dans la loi de Moïse, ça avait dit, dans la loi de Moïse, il y a les commandements de l'Éternel, ses voies, ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes. C'est pour dire que, en résumé, la Torah, c'est l'expression de toute la volonté de Dieu adressée à Israël, au peuple d'Israël, à travers les saints livres de Moïse. C'est pourquoi on dit le livre de la loi de Moïse. Je traduis par toute expression que nous avons dit à l'heure, à reprendre, loi, loi de Moïse, livre de la loi, livre de la loi de Moïse, livre de la loi de Dieu. Nous souhaitons que nous comprenions ça très bien. Ça veut dire que leur parler de loi ça, de Torah qui englobait toute terminologie ça, c'est-à-dire que il englobait en conséquence tout précepte, ordonnance, loi, commandement que l'Éternel te bail à peuple Israël. Certainement, les nouvelles alliances, il est capable de mise encore. N'a pour ça pis devant. Donc, c'est ça. Donc, premier type de loi, nous dit la Torah. D'ailleurs, n'a pour que le Genèse 26, verset 7, et il nous a dit que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Toute bagaille. C'est toute la volonté de Dieu exprimée dans le Pentateuque. Donc, c'est le premier type de loi. Et faut nous fortir et rappel. Il y a des gens qui disent, quand on parle de la loi, ils disent, ça c'est la loi Moïse. Ça veut dire, c'est la loi Moïse, on va faire avec la loi de Dieu. Donc, quand on entend, les gens disent ça. Faut nous faire tirer remarque là. C'est quand la loi ça, ça ne fait pas Moïse, c'est pas la loi de Dieu. Tout gré, ouais. La Bible dit, tout écriture inspirée de Dieu. Qu'on ne peut pas écrire par Moïse, quelqu'un écrit par Isaïe, par Jérémie. C'est la parole de Dieu. Donc, le livre de la loi de Dieu, écrit par Moïse, mais c'est la parole de Dieu. Donc, c'est remarque ça qui est très important. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, c'est l'idée du même fait à la loi Moïse, c'est pas comprendre. Deuxième type de loi, c'est le décalogue ou les dix commandements. Décalogue, nous, divine de grec, déca, divine 10, logos, discours, 10 paroles ou 10 commandement. Théologien, il relève ça, loi morale, que nous parlons pour qui ça? Il dit loi morale. Nous jouons dans Exode 21 à 17, que nous parlons tout à l'heure. Donc, deuxième catégorie de loi, c'est les 10 commandements ou la loi morale. Troisièmement, nous dit les lois cérémonielles ou religieuses. Oui, nous dit pas que c'est une catégorie de loi de la Bible. Ça veut dire. En Israël, Jésus peut être venu dans l'ancienne alliance. C'est une série de règles ou série de normes qui peuvent être appliquées sous ce système ça. Par exemple, pour mon dernier pardon de péché, Jésus peut convenir. Pendant un système, il y a les Lévites qui étaient attachés au service du sanctuaire, du sacrificateur, et un système de sacerdoce sacrifice qui était fait. Chaque monde, selon péché,
Et selon moun kote yé, ou te gen pote, pou to kote nan yo kote de santuèr, yo a yo, tout rèl yo bèt, et puis de sakrifye li, pou peche a te konfese peche l, et selon rit sa, selon rit sa ki tap fèt chak jou, et peche a te rassure l, pou peche l te pardonne. Donc te konseye de nom ki te entoure, rit sa yo. Gen lot bagay tout, par exemple, la circoncision. Chaque petit garçon te gen 8e jour pour te circoncis. Ce bagay qui était fondamental. Ce bagay qui était aussi, qui était montré ou fait partie du peuple bon Dieu. La circoncision. Et bien, ce nouvel alliance là, nous allons voir que et la Bible dit, circoncision, ça n'a pas de bizarre. Donc, en pile, règle, en pile, rite. C'est ça nous rentrer et grand pile nom et loi qui entaché avec bagay sa yo quand on ça nous dit la loi ou les lois cérémonielles ou religieuses que nous venons éparpiller dans toute patate là dans Exode dans Lévitique etc. Quatrième type de loi bon quatrième type de loi nous dit c'est le système judiciaire du peuple Israël ça David. Ça veut dire que lorsque Dieu dirigeait le peuple d'Israël, à un moment donné, c'était la théocratie. La théocratie, ça veut dire que c'est le gouvernement de Dieu. C'est bon Dieu qui a dirigé le peuple. Il a dirigé le peuple là, ni du point de vue spirituel, pour l'avenir spirituel, mais du point de vue temporel tout. Vous avez dit, en certain sens, le chef du pouvoir politique, c'était la théocratie. Dans le cadre de ça, il y a des lois civiles et pénales qui régissent le peuple là. Même aujourd'hui, à tout pays, il y a un code civil, il y a un code pénal. L'homme ne fait au bagage qui s'appuie au fait. Il faut voler au bagage qui s'appuie au fait. Il faut frapper au monde. Il faut protéger au monde. Il faut protéger au monde, il faut protéger partout. Donc, ce sont une série de normes, de législation qui forment le système judiciaire peuple Israël là. Ou venant dans Exode, ou venant dans Lévitique, ou venant dans Deutéronome. Donc, ce sont des lois. Et lorsque le peuple d'Israël, divinement de roi, il y a le roi, premier roi, c'était ça, il peut aller roi. Juge dit à Israël, il peut aller président, il n'est pas lié par l'homme et civil, ça. Donc, c'est loi et ces règles existaient à partir d'une circonstance donnée. Pour moment donné. Donc, ouais, il n'y a pas qu'une loi de la Bible. Et cinquièmement, nous dit, il y a les lois sanitaires. Par exemple, lorsque nous regardons dans Lévitique, nous avons étudié une sanitaire que Nawel, où Dieu a des instructions à Moïse concernant ça pour nous manger et ça pour nous ne pas manger. En gros, d'ailleurs, on apprend que dans verset Lévitique 11, verset 46 et 47, il est dit, telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est pur de ce qui est impur, de ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. C'est clair. Donc, parfois, nous prenons habitude. Il faut me faire et souligner, oui, là. Nous disons dans la Bible, il y a deux lois. Il y a une loi morale et une loi cérémonielle. C'est quand vous avez deux types de lois seulement qui sont dans la Bible. Il est faux, il n'est pas correct à partir de ça que nous sommes dit. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Et si on t'a dit seulement qu'il y a une loi morale et cérémonielle, mais il y a une question pour répondre. La loi sur la libération, Lévitique 11, qui côté le temps placé? Il n'y a pas ni dans le décalogue là, il n'y a pas ni loi morale. Il n'y a pas qu'à dire tout, du cérémoniel tout. Donc, côté le tapis. Donc, on voit que lorsque nous faisons une typologie entre morale et cérémoniel, nous étreignons ce bagaille là. Trop. Mais je dis, ce qui est important pour nous que nous allons dire, c'est ce sont les 10 commandements, le décalogue, que nous dit que théologie relève la loi morale. On pose les premières questions, ça. Qu'est-ce que Dieu donna à Moïse sur le mont Sinaï? Exode 31,
verset 18. Nous dit, c'est question réponse, et bien, on a fait la Bible répondre. On a regardé ça, Exode 31, verset 18 dit. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, table de pierre, écrite du doigt de Dieu. L'Éternel relit Moïse, il écrit sous deux tables de pierre et le remet Moïse, et Moïse prend descendre pour le poter. Deux tables de pierre. Ça à gauche là, il y a quatre commandements écrits là-dedans. Et ça à droite là, il y a six commandements. Premièrement. Deuxièmement, la Bible dit nous que il écrit du droit de Dieu. Bon Dieu même qui écrit. Pour nous souligner ça. Tout bas dans la Bible là, c'est la volonté de Dieu. Mais écrit par les prophètes, les hommes qu'il choisit, qu'il inspire. Mais c'est le seul texte dans la Bible là que la Bible dit que bon Dieu écrit avec elle-même. Ça fait 10 commandements, ça, ils sont monuments extraordinaires. Ils sont monuments extraordinaires. Par exemple, si nous prenons par exemple, nous sommes directeurs au bureau, nous besoin d'écrire une lettre, nous disons que tu es secrétaire ou bagaille pour l'écrire pour moi, que le tape, et le voyez le baume. Il y a une valeur, tiens. Mais si par contre, moi prends même manuscrit, moi gagne un monde, m'écrit ou l'état même, mettez-le dans l'enveloppe, vous voyez, bali. Qui ça nous pensait qui puisse, regarder, puis affectif, ça qui, ce que tu as écrit, ou bien ça que m'écrit à même. Ça m'écrit à même, non. Il y a plus d'intimité là-dedans. Eh bien, le décalogue sur l'être que bon Dieu écrit à toute l'humanité. Pas Israël seulement, mais à toute l'humanité. Deuxième question, quel est le contenu de cette loi? Que nous jouons dans Exode 20, verset 1 à 17. On faut regarder. Regardez dans Exode 20, verset 1 à 17. Regardez dans le premier commandement. Que nous jouons que dans verset 3. Qui ça le dit? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image taillée. Troisième commandement, tu le prendras après le Éternel ton Dieu en vain. Je dis à quelqu'un qui ne peut pas respecter nos bon Dieu. Yo prend nos bon Dieu pour faire tout bagaille. Yo prend nos bon Dieu qui ne pas respecter nos bon Dieu. Quatrième commandement, pas oublier jouer pour moi. Na ouais ça, très prochainement. Honorer mon papa, maman petit mon cap déshonorer maman yo. Nous dit nous t'ai déjà sur Facebook de les années passées. Du petit cap bat maman, elle mettait avec petit garçon, avec Marie-Lé. Vous voyez, de l'eau sous maman brûlé. Ça choque l'humanité. Parce que nous connaissons que dans ça, la Bible nous en rapport. Sixième commandement, tu ne tueras point. Ou pas mettre moun sous terre, pas détruire la vie. Septième commandement, verset 14, tu ne mettras point d'adultère. Ou seul mari, ou seul madame. Huitième commandement, tu ne déroberas point. Pas prendre ça que pas pour vous. Neuvième commandement, tu ne porteras point de faux témoin contre ton prochain. Il y a un monde qui dit ça, ouais, qui dit ça, pas, ouais. Et vous faux témoin avec un faux père du larime. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas dire, de au monde. Et enfin, dixième commandement, tu dois convoiter sa prochaine, rien. Et puis, tu dois convoiter ni madame, ni mari. En rien qui est à ton prochain. Donc, ça, le résumé, dans les lignes Exode 20 de cette loi, l'aide du décalogue. Maintenant, je me pose une question, quelles sont les caractéristiques de cette loi? Bien, bon. Et nous avons dit, d'abord, cette loi est morale. L'immorale, parce que tout ça qu'il a d'autres des principes moraux. Quand on ne le dit pas là, c'est les mêmes qui basent stabilité société. De la famille. Sont à ouais dans un pays, quel que soit le régime politique, li prône pour moun violer yon ou l'autre. Non. Et règle ça yon. Ou ap di son régime qui immoral. Par contre, quel pays, ou quelle société, ou quel état, que yon même a te, kap di
Youti moun gen doit aller bâton, li bat maman j'enlever sans pas faire rien qui mal. Yo moun gen doit voler ou moun sal gagner sans pas faire rien qui mal. Ou gen doit tuer sans pas faire mal. Donc ça montre que cette loi est morale parce que c'est base stabilité de la famille. Pas gen aucun pays que dans code civil li ou bien pénal li ka prôner des bagages qui contraires ça. Donc c'est pour une caractéristique soit que le moral. Deuxièmement, nous dit que cette loi est un condensé ou résumé d'amour. Dans Matthieu 22, verset 30 à 46, il demande à Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Mais bon Dieu, il dit, voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il conclut de ces deux commandements, c'est-à-dire, aimer bon Dieu, aimer prochain, dépend toute la loi et les prophètes. Donc, Jésus voulait dire que la loi, il résumait deux grands principes d'amour, aimer bon Dieu, aimer prochain. Et nous comprenons ça. Regardez des calogues là. Regardez les quatre premiers commandements. Ils montrent deux voies envers Dieu, amour de Dieu. Et si dernier, devoir gagner un voie prochain, amour du prochain. Donc Jésus résumait les calogues en deux grands principes. Rémer bon Dieu et rémer prochain. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi. L'autre caractéristique loi, la durée de cette loi. Elle est éternelle. Elle est éternelle. Matthieu 5, 17, 18 dit, Jésus même qui dit, c'est pas moi qui dit. C'est pas on dit j'ai l'église, non qui dit. Parce que t'as dit j'ai l'église là. C'est parce que lui-même l'attache à la loi, à la poser la belle main. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Pas venu pour m'abolir la loi, tout ça prophète je dis. Toi, il y a quelqu'un qui dit, je dis, il n'y a pas affaire avec l'Ancien Testament. Pas la loi seulement, non. Pas avec le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. N'a pas le temps qu'on fait le sujet, on a étudié les alliances. Jésus dit, il n'est pas venu abolir. Donc, l'homme dit, la loi abolie, ce n'est pas Jésus qui abolit. C'est vous-même qui abolit, mais ce n'est pas Jésus. Il continue de verset 18. Quand je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Ou un seul trait de. Ou un seul iota, ou plus petit lettre. L'alphabet grec l'a dit. Pas bon iota cap sauti sous lit jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, il n'y a pas même dit le commandement. Et c'est même ça, Luc 7, 17, confirmé. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi. Pas dit le commandement, non, il dit qu'un seul trait de lettre de la loi. Atomique. Passage, ça, il faut nous noter. On a besoin pour nous relire nous-mêmes. Et on a besoin pour nous communiquer à nos amis, à nos parents. Et on a dit peut-être pour nous qui de bonne foi, mais qui par exemple approcher la Bible. Donc, nous faisons là. Pas plus grave, des chrétiens de profession qui a dit que Jésus vient abolir la loi. Il dit Jésus vient abolir la loi. Oui. Et comment il a dit? Il est très important. L'homme dit la loi abolie. Vous voyez ce qu'on dit? Parce que la Bible dit que le péché est la transgression de la loi. C'est-à-dire que pas de péché, c'est pas de loi. Il y a toute législation humaine d'accord avec ça. Oui. Pour dire au monde faut qui mal, on maxime latine qui dit nullum crimen sine legge. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fraction sans loi. Pour que ou di ou moun fò bagay ki mal, faut avant le faire, avant jour le faire là, gon disposition légale qui te dit, non seulement pour le pas faire, et s'il fait, mais ça cap rivel. Donc ça consacré par toute législation humaine. Pas de crime ou infraction sans loi, pas de péché sans loi. L'homme dit pas de loi, c'est de ou dit tout, pas de péché. Et si vous dites pas de péché, c'est de vous dire, ou mon ka volé, comme adultère, tuer, moun,
sans que ou pas faire mal. Nous comprenons Jean que le grave. Nous comprenons Jean que le grave. L'homme dit c'est Jésus qui a aboli la loi. Donc on dit Jésus dit pas de péché. Et si Dieu si dit pas de péché, l'école lague. C'est ça, oui, on dit. Ça ne peut pas même mourir nous compte. Quel est le caractéristique de la loi? La loi est sainte, juste et parfaite. C'est Romains 7, verset 12 qui dit la loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Le commandement, la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Paul Paul dit c'est moi qui suis vendu au péché, mais la loi est sainte. Et Somme 119, verset 8, tout, notez-le. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. La loi est parfaite. Il a dit, cette perfection-là lie un rapport à la loi morale du Décalogue. Il n'est pas vrai pour tout le type de loi. Je vais vous donner un exemple. Loi cérémonielle et religieuse. Mais elle existe à partir de circonstances données. Je t'ai annoncé au bagaille, Jésus qui est pour le vini. Depuis Jésus fin vini, il est tombé. Il n'est pas valide encore. Rien qui est en rapport au sacrifice, pas un sacrifice encore. Jésus est le vrai ami de Dieu qui offre les péchés du monde. Et c'est ça qui fait Hébreux pas le dit, Hébreux 7, verset 12, par le sacerdoce étant changé, il y a un changement de loi, un changement de régime. C'est clair. Livré à tout pour les lois relatives au système judiciaire et du peuple israélien. Je dis à chaque pays, il y a un code civil et pénal. Haïti n'a pas, la France n'a pas, les États-Unis n'a pas. Si vous avez un bagage, une infraction civile ou pénale, il y a un code civil pays, il y a un code civil qui loi qui punit ou poli. Elle se comprend. Donc, ces lois relatives au judiciaire du peuple Israël. Tout peuple qui vient de règne nomme pas eux. Ça n'a pas de mise. C'est clair. Ça a existé à partir du moment donné où c'était la théocratie où Dieu dirigeait les affaires spirituelles et temporelles du peuple. Et nous te dit ça déjà. Maintenant, quelle caractéristique loi? Cette loi, la base est la base du jugement de Dieu. Fabliez, lorsque vous êtes devant au tribunal, non jugement pénal, juge-là, mais pour le condamner, c'est loi, il prend temps pour le il veut une conviction comme telle infraction, et le loi, qui disposition légale, qui punit sans qu'on fait, et même j'ai tout, de mes spirituels. La loi est la base du jugement de Dieu. Ça fait Jacques 2, verset 12 dit, parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Cette loi est une loi de liberté. Pas oublier que la liberté est de faire ce que la loi ou les lois permettent. N'est-ce pas? On est libre quand on obéit à la loi. Cette loi est une loi de liberté qui vous rend libre. Et nous dit que surgi par la loi, Romains 2, verset 12, dit au bagaille, tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Tous ceux qui ont péché sans la loi. Gen moun jodi a kap péché, mais qui n'a pas connaissance de la loi écrite de Dieu. Mais bon, loi qui écrit dans le cœur, par exemple, moun ki ka prendre texte, pas j'aime connaître, bon Dieu dit, puis ga tué. Mais est-ce que la petite vient tuer, la petite tuer petit li, la petite tuer madame ni? Donc, bon loi qui écrit dans le cœur. Il pas connaître, bon Dieu dit pas voler, mais bon loi qui écrit dans le cœur. Il pas quitter et ou prendre ça le bon Dieu a jugé à rapport à loi ça que le connaît qui écrit dans le cœur là. Mais ceux qui ont empêché avec la loi, qui ont connaissance de loi, ils sont jugés d'après cette loi. C'est ça au maître de verset 12 dit. La loi est un critère à partir duquel notre vie sera examinée. Quel caractère la loi ça a gagné tout? Elle est une condition
les conditions établies par Jésus pour entrer dans la vie éternelle. Et ça, ce n'est pas au dirigeant de l'église qui dit là. C'est au dirigeant de l'église qui te dit. Ah, ou t'as dit, mon cher, parce que vous-même, observez, bah, la fois dit, Jésus même. Nous prenons Matthieu 19, versets 16 et 17. Jésus rencontre un jeune homme, et voici un jeune homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» Tenez bien, on va nous souligner. Si tu veux rentrer dans la vie, observe les commandements. Si vous voulez la vie éternelle, observe les commandements. C'est Jésus est mort pour nous sauver d'abord. Mais si Jésus mourit pour le sauver, il faut montrer au moyen, il faut accepter le sacrifice de Jésus. Observez les commandements. Donc, frères et sœurs, la grande question, multiplicité de confessions religieuses, qui t'a pour me faire pour gagner la vie, Jésus dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Souliers verset ça. Je n'en dis, qui commandement ça eux? De quel commandement que le sage? Vous voyez, il y a des gens qui dit que Jésus qui est commandement parle et papa, le père qui est commandement parle. Mais mon Dieu, mes prochains, c'est ça. Pas grave à faire du commandement. En garde. Jésus parlerait pour une question là. De quel commandement? C'est Dieu des 19. Et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignage. Verset 19 l'a dit, on honore ton père et ta mère. De qui, comment ben Jésus a parlé là? Le décalogue là. Aussi simple que ça y est. Donc Jésus a parlé de commandement. C'est le même commandement que l'Éternel de Baïmo, Dieu qui l'a parlé. Où elle fait et allusion à quelques deux là. Pour ne pas aucun doute que de l'autre Paul l'a parlé. Cela fait l'honneur, Jean 14, verset 15, dit, si vous m'avez, gardez mes commandements. Ce n'est pas l'autre commandement que le forge, non? C'est même commandement ça, qui le résume en deux grands commandements. Aimez bon Dieu, aimez prochain, non? Ce n'est pas l'autre bas que l'inventé, non? Donc, pas aucun prétexte, non? Donc, les commandements de Dieu sont les mêmes. De ça, Jésus a parlé là, jeune homme. Quand l'autre question qui est importante pour nous poser, nous, tout à soi. Bien dit commandement, même quand je choisis pour me prendre 9, pour me prendre 8, et puis me quitter le reste là, bon Dieu a passé l'autre en bas pour moi. Bon Dieu répond à une question, Henri Jacques 2, verset 10. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Ha! Tout le monde, on prend tout décalogue. On prend 8, on met 2 de côté. On prend 9, on met 1 de côté. On devient court. C'est comme si on te mettait tout de côté. C'est ça, Jacques dit là. Et donc, on est en pratique. Dans l'église, je dis, ah, on dit que c'est chrétien. Ah oui. Puis on met 1 de côté. On est arrivé sous le lit devant. Mais non. Si on mettait une de côté, c'est comme si on mettait toutes de côté. Et ça fait, il y a un monde qui remet dit, dans l'arithmétique bon Dieu, 10 moins 1 égale 0. 10 moins 1 pas égale 9. Pas vrai? Dans 10 commandements, bon Dieu, vous mettez une de côté, c'est comme si vous mettez toutes de côté. Vous mettez 2 de côté, vous prenez 8. C'est qu'en cours, vous mettez toutes. La loi est une. Ce commandement. Mais bon, grande question pour nous poser, nous tous. Quelle était l'attitude de Jésus vis-à-vis de la loi? Tablier. Il y a un monde qui est chrétien, ça l'a dit. Tout le monde qui a marché n'emprunte pas Jésus. Qui a fait ça, Jésus, t'es dit fait. C'est ça qui dit ici. C'est ça qui dit chrétien. Eh bien, qui ça, j'en dis là, clair. Si nous gardons verset 3, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Le verset 4. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas sa commande est un menteur. La vérité n'est point en lui. Grand pile, mon Dieu dit,
C'est la foi qui nous sauve. Pas vrai? Faites observer le commandement de Dieu. La loi, c'est blague. On dit qu'il y a une Bible, non, mais on dit ça. Mais ce n'est pas nous-mêmes qui dit. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui n'est pas de bas commandement, le commandement, il nous disait, même commandement. Et Exode, nous sommes au menteur, il dit. Ce n'est pas moi-même qui dit, ou c'est menteur, non? C'est la Bible qui dit, ou c'est au menteur. Par contre, il y a un monde qui t'a aimé ou qualifié de menteur. Mais, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et par là, nous savons que nous sommes en lui. C'est verset 6 là qui cloue. Celui qui demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Il doit marcher comme il a marché lui-même. Et comment il a marché? Eh bien, il a gardé les commandements de son Père. Aussi simple que ça est. Être chrétien, c'est disciple de Jésus, marcher dans l'empreinte des pas de Jésus, faire qu'à Jésus te dit. Pas bon monde, je dis, hein? Qui pourra dire les sous-disciples Jésus et en même temps pour la piétiner la loi de Dieu. Ça va exister. Ça va exister. Qui dernière exhortation Paul fait concernant les commandements? Qui dernière exhortation Paul fait? Et ces dernières exhortations, ça, que nous apprenons avec nous, je vous dis, hein? Dans 1 Corinthiens 7, verset 19. Notez-le, comme dit nous, nous notez verset. La circoncision n'est rien. La circoncision n'est rien. L'observation des commandements de Dieu est tout. Je vais reprendre pour nous. La circoncision n'est rien. La circoncision n'est rien. L'observation des commandements de Dieu est tout. Les commandements, nous lions à l'œil. Waouh, il y a tout. Non. Et des calories. Maintenant, un bref rappel de point nous étudier aujourd'hui, l'étude ça. Nous apprenons c'est une typologie de la loi de la Bible. Retenez ça, la Torah, oui, qui est englobée, du coup, il y a sous diverses appellations, la loi de Dieu, la loi de Moïse, le livre de la loi, la loi de Moïse, mais qui exprime la volonté de Dieu à l'égard d'Israël, le décalogue. La loi morale, nous dit l'immoral, mais gain et une bonne caractéristique, les lois cérémonielles, un rapport sur le rite qu'on a fait en Israël, les lois civiles et pénales d'Israël, le code judiciaire du peuple d'Israël, et enfin la loi sur l'alimentation. Donc, ça veut dire que, à partir de l'étude d'aujourd'hui, nous comprenons que on n'a pas les deux lois. On va pas dire seulement loi morale et cérémonielle, il y a l'autre loi dans la Bible. Deuxième bagaille, nous parlons de la loi morale là. On dit, nous avons décrit ses caractéristiques. Elle est morale, on dit pour qui ça? Parce que c'est base société alliée, c'est base stabilité familiale. Mais pour craser, c'est dans désordre. Son résumé d'amour. Rémé bon Dieu, rémé prochain. Le monde qui rémé prochain, si le dernier commandement ou pape violé, et sous rémé bon Dieu, quatre premiers autour, après respecter. L'éternel, Jésus dit, il n'a pas voulu la loi ou les prophètes. Dans Luc Dili, tant que cela là n'a pas passé par un iota, par un commandement. Nous avons dit que Jésus a dit c'est une condition de la vie éternelle. Si tu veux avoir la vie, observe les commandements. Nous avons vu que cette loi est la base du jugement de Dieu. Tout jugement trouve la base. Est-ce que vous pouvez mettre une ou deux de côté? Non, l'intégrale. C'est quelqu'un qui fait la loi. Mais le péché continue, c'est qu'en cours, il mettait tout de côté. Qui attitude de Jésus vis-à-vis de cette loi? Nous l'avons vu. Jésus dit, gardez mes commandements de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Pas vrai? Un Jean dit,
Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et enfin, cette dernière exhortation, 1 Corinthiens 7, 19, c'est avec elle que m'a quitté nous. La circoncision n'est rien. La circoncision n'est rien. L'observation des commandements de Dieu est tout. Ça veut dire, chers amis, et à partir de jeudi, on prend résolution pour nous obéir avec la loi de Dieu. Si vous avez des amis, des parents qui nous ont dit le contraire, parfois, pour nous dire, en toute innocence, en toute naïveté, verset que nous étudions avant après-midi, notez, non seulement pour vous-même, mais communiquez à leurs amis et parents. Ça y est. Nous, vous êtes là aujourd'hui. Hein? Nous, remercions-nous pour l'attention que nous débaillons à sujet ça. Et prochain sujet, c'est sous la loi, sous la grâce. Pendant la série, ça n'a pas adressé aux séries de doctrine biblique de base. Nous, regardez, si je ne nous pas apprendre, c'est volontairement. Nous voulons prendre sujet, l'estime, équipe, ton fio. Pas vrai? Ça me fait lumière pour vous. Donc, prochain sujet, c'est sous la loi ou sous la grâce. Merci pour attention, nous. Et nous, baissez tête, nous, pour beaucoup de prières. Nous bénissons, papa, nous qui sommes dans le ciel là, pour privilège, côté bonne, pour nous étudier parole ou à souhait. Alors que nous sommes fait ça, nous demandons que vous ouvriez l'intelligence, non, pour faire nous comprendre, yo. Non seulement connaissance intellectuelle, mais pour nous mettre en application dans la vie. Parce que vous dites, c'est monde qui, c'est ça, pas monde qui dit Seigneur qui a sauvé, c'est monde qui a sauvé parole. Bénis-nous, bénis tout auditeur, nous prions comme ça, parce que nous, bon, nous dit, nous prions comme ça, au nom de Jésus, qui vient, qui règne. Au siècle des siècles. Amen. Et encore une fois, nous remercions pour la présence. Que bon Dieu bénisse. Merci.